Bon, il vient de m'arriver quelque chose, c'est une dinguerie. Je vais vous expliquer en vite fait. Mon agent, il loue un appartement sur Airbnb. Donc tout est bon, etc. Tout est réservé, tout est ok. La demande, elle est acceptée, tout est réservé, tout est carré, tout est ok, tu vois. Et la dame, elle nous dit, ouais, vous comptez arriver vers quelle heure? On dit, ouais, bon, 18h, 19h. Donc tout est carré, tout est ok. Et elle, en fait, elle demande une photo d'identité du second voyageur avec, tu vois, son visage. Donc moi, en gros, avec mon visage. Je vous mens pas, ce qu'elle a fait, c'est une dinguerie. C'est pas elle nous dit, oh, l'appartement, il est plus disponible, on n'a plus d'appartement. Et moi, je suis en mode, comment ça, plus d'appartement, nanana, nanana. Au début, je cala pas trop. Et j'appelle, je leur dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe? La demande, elle était acceptée, tout était bon, c'était confirmé, c'était payé. Qu'est-ce qui se passe, madame? Genre, elle me dit, écoutez, attendez, attendez, attendez. Elle me met en attente. Plus de nouvelles. Je rappelle, je rappelle, je rappelle, j'ai appelé au moins 10 fois. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. J'ai essayé de rappeler avec mon numéro, plus de nouvelles. Et la vie de ma mère, ça doit arriver à des millions de personnes, des milliards de personnes. Des gens comme moi, des gens qui ont la même couleur de peau que moi. Et les gens, ils te le font payer. Ça me rend fou. Tu vois? Ça me rend fou. Je suis pas dans les polémiques. Et qu'on dise qu'aujourd'hui, il n'y a plus de racisme en France, c'est impossible. C'est un truc qui me rend fou. Donc je rappelle. Elle répond. Et je l'appelle, je lui dis, écoutez, vous allez voir, je vais en parler sur mes réseaux. Je suis influenceur et je vais en parler. Vous avez fait ça à la mauvaise personne. Parce que ça sert à ça aussi, les réseaux. J'appelle, je lui dis, je vais en parler. Elle met en attente. Elle met en attente, la gonzesse. Bam. Elle raccroche. Et encore une fois, j'essaie d'appeler, ça répond pas. Mais la vérité, maintenant, faites quelque chose de cette vidéo, faites ce que vous voulez. Mais la vérité, ça ne doit plus passer. Parce qu'il y a des millions de personnes comme moi et des milliards de personnes comme moi. Des frères, des sœurs, des gens à qui ça arrive, et il faut plus que ça arrive, ces choses-là. La vérité, il faut plus que ça arrive. Faut commencer à nous respecter. On est des humains, comme vous. On a un cœur, on a un cerveau. On sait réfléchir, comme tout le monde. On est tous les mêmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la couleur. Arrêtez avec ces trucs. En France, arrêtez. Tu vois, il y a des gens bons, mais arrêtez. Tous ceux qui se cachent derrière un bureau ou n'importe où, pour faire des actions qui sont concrètement racistes,